Bonjour, je vous entends, ici Morgan von Brenna. Et on se retrouve à continuer d'escalader le bus des enfers. Cette espèce de tour Montparnasse infernal à 4 roues. Et qui doit avoir plus que 4 roues, ce truc. Sur Death Punch, Battle of the Pants. On va continuer à tabasser ces maudits spectres. Aïe. Du soin. Enfin, je veux dire si ça vous amuse, mais... Allez, venez, mon champignon. Ah, attendez, faut que je me souvienne de jouer avec la manette sous le bureau. C'est environ 8 épisodes qu'on entend les bruits de la manette. Ce qui est... Ouais. La vache! J'allais avoir un pet cerveau. En 2 secondes, j'ai oublié ce que j'étais en train de faire. C'est là, ok, faut que je joue. Je fais quoi? Le bisou! Zoubi. Zoubi triste. Non, vous ne nous fragilisez pas. C'est interdit! Button. Et je vous déglingue le visage. Boum, boum. Allez. Level up. Ce que je trouve dommage, en vrai, c'est que... Un pour Faye, des galours. Laissez-moi essayer un truc. C'est une nouvelle classe pour elle, non? Ouais, avant-garde. Ça ressemble à quoi en avant-garde? Oh. D'accord. Tu veux dire, oh, pas mal. Non, elle ressemble à rien. Ça va pas être possible. Il est très bien en busker. T'es, c'est grand ici. Continue. Les recettes qui marchent. Aïe. Toujours aussi mal que ce truc, hein. Stark Cloud, parfait, c'est ce que j'attendais. Hey, Shredder. Comme ça, je prends 3 mesures de douleur. Ah. Intéressant. Malheureusement, c'est non. Giga soin pour tout le monde. Aïe. 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 Je vous défonce. Par contre, du coup, il tire un peu la gueule, la gueule, hein. On va lui mettre un peu de Hearty Barry. Ah. Alors, on s'en met ou pas? Harpy, de Douglas Park, Amazon, Influent Hunter. Eh ben, il reste presque plus rien, c'est parfait. Oula. Merci de m'avoir libéré. Waouh, il y a tellement de fantômes ici. D'accord, donc on a libéré le prout de fantôme, le fameux. Ok, par là c'est la suite. On allait tabasser ce qui reste d'ectoplasme.
Avant de continuer. Hé, toi! Aïe. Oui, charge. Oh, c'est pas bon, ça. On va essayer de lui mettre un Mega Pop Slap en urgence. Quoi qu'il en réserve, ça ne peut pas être bon. Ah non, il survit. Il va nous le mettre dans la gueule. Ah bah, c'était pas grand-chose en fin de compte. C'était vraiment pas grand-chose. Hey, Shredder! Wouh! Petit Mega Pop Slap sur la Harpine. Pour se débarrasser. Petit soin pour tout le monde. On se met bien. Horror Scope. Ah non, bye! Tranquille, bah, plus que un ou deux combats d'ennemis normaux, puis la quête est faite, quoi. Ah. Oh la bibi! Oh l'araignée! Elles sont trop choupies! Oh Dan, je t'aime! Oh! Je suis qu'à des années! Je parlais d'araignée sauteuse sur le serveur de Death Bulge. Putain, il en a mis! Oh, les bibis! Alors, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, comme je l'ai dit auparavant... Non! Oh... Ah mince, est-ce qu'au moins je peux avoir quelques retours? Comment ça, dire... c'est rien de plus que... du bordel sans inspiration. Tu n'as rien à battre que tu sois la seule autre araignée dans le coin. Je vais pas rester ici avec cette batteuse aussi répétitive et basique. Où est l'excitation? Où est la vie? Alors, franchement, on fait crompler ici. Tout batteur digne de ce nom devrait avoir... un certain nombre de variétés de remplissage avec lesquelles s'amuser. Je sais pas, fais un peu de recherche, renseigne-toi sur les autres batteurs, trouve de l'inspiration. Ok, merci pour les retours. Mais c'est obligé d'être aussi méchant. Oui. D'autres batteurs. Waouh! C'est cool de voir d'autres êtres vivants aussi haut dans ce bus. Attends, mais est-ce que c'est une batterie? T'es un batteur de batterie? Ouais! Est-ce que je pourrais pas venir avec vous pendant que vous êtes sur le bus? Oui! Oui! Je voulais essayer d'impressionner cette jolie fille ici, mais mon répertoire manque d'inspiration. Alors, je vais vous regarder faire plein de techniques de batterie. Peut-être que ça va m'aider à améliorer mon game. Eh hey Whitney, tu penses que je devrais étudier combien de techniques de batterie différentes avant d'être assez bon? Quoi? Mais comment je pourrais savoir ça? Tout le monde apprend à sa propre vitesse. À son rythme. Qu'est-ce que tu dirais de 5? Ah, je m'en fous. Ok, super. Si tu me montres 5 batteries différentes pendant nos combats dans le bus, ce serait parfait.
Je vais essayer de rester hors de votre passage pour la majorité, mais faut utiliser ça pour m'invoquer durant le combat. Oh oui! On peut invoquer une bibi! Quand cet effet est présent, une araignée batteuse sera invoquée, indique des dégâts mélodiques à un adversaire et met un mauvais effet sur leur barre. Chaque tour qu'il obtient, il reçoit... Attends. Ah, et tous les trois tours, il libère un solo émotionnel qui inflige des dégâts de mélodie à tous les adversaires. Oh ! Utilisez 5 trucs différents pendant que je suis avec vous en combat, sinon je ne les verrai pas et ça compte pas. Merci. Oh oui ! Aiguille l'araignée. Ah, une dernière chose. Je ne vous accompagnerai que dans le bus. Quoi, mais pourquoi ? Eh ben, j'ai pas envie de perdre ma chance avec Whitney. Descendre de bus, ça voudrait être de ce bus, ça voudrait dire que je la reverrai jamais. Je suis beaucoup trop entraîné pour que ça arrive. Ah, j'imagine que c'est là que je suis censé dire un truc du genre « Oh !» Eh ben non. Eh ben, ça valait la peine d'essayer. Bibi. Désolé que vous ayez été pris de notre petite toile de cringe de percussion. Même si j'aimerais bien voir comment une araignée inspirée par un humain, par un batteur humain, serait différente d'une araignée inspirée par d'autres araignées. Ouais. Elle est où l'araignée? Elle est où l'araignée? Oh! J'ai 5 techniques différentes. Sachant que j'aurai que 2. Donc il faudrait 3 combats. Le tisseur des ténèbres. Pas assez de hype, ah, ça coûte tellement cher. Ah. Ça va être compliqué parce que... Des combats, il me reste pas tant que ça à faire. Hein. On va faire notre mieux, mais il ne reste pas beaucoup de combats à faire sur The Bus. Ok. On invoque la bibi. Oui. Ah, j'adore. C'est la bibi. Aïe. Déglingue. Merde, mais si je fais ça, ça va écraser l'araignée et fait chier. Ah. On va voir si ça compte quand même. Ouah, c'était trop cool! Ok, ça compte. Ça compte, mais il faut la réinviter. Et je peux pas la réinviter parce que j'ai pas assez de hype. Au secours. On va leur mettre un petit air shredder quand même, remplir intégralement leur barre de douleur. C'est pas un truc que j'ai envie de louper. Ok, alors.
Donc, on réinvoque la Bibi. Mais je pense, est-ce qu'elle compte? Ah oui, elle leur met des barres de lenteur, bah oui. C'est une araignée. Au secours. Il ne s'arrête pas. Est-ce que celle-là, ça compte? Non. Et au moins, ça la rend un peu plus résiliente. T'as par contre déglingue. Waouh, c'est trop bien, j'apprends si vite. Ouais, adieu, Faye. Ça devient compliqué là. Au moins un ennemi, deux adversaires en moins. La harpie observe. Mega Pop Slap, allez pour l'HP. Ouh. Ok, compliqué hein. Moins t'as passé masse de trucs, mais la vache. Ok, alors faut changer la gear. Allez, les attaques passives. Puis un peu de basketball pour le fun. Ok. Ok, il va nous rester à 7 combats. Mais en vrai, il y a... Oula. Dégâts lourds à tes adversaires et affaiblit la barre du joueur, hein. Mais si je regarde ça... Il reste plus d'ennemis que nécessaire. Oula, 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 oula. Blablabla. Sont nombreux. Je vais pas invoquer la Bibi tout de suite. On va se débarrasser de quelques ennemis d'abord. Un petit Twang Frenzy. Voilà, ça vient un mec déjà. Et maintenant, on invoque la Bibi. Allez. Oh, oh la vache. Mais si tu t'es foiré tout comme ça, j'aurais rien de temps de te montrer. Oh oui! Une autre démonstration impressionnante de Brie! Ah merde, il est mort! Bon, c'est pas grave. Il me reste que deux trucs à lui montrer. Faut juste que j'en fasse rajuvénation par... autre chose, un truc qui coûte pas cher, ça. Allez, viens te battre toi, viens te battre, viens te battre. Salut.
Ah. Mais on pourrait l'avoir que dans le bus, c'est terrible! Ah non, ça c'est. C'est une feuille. Ah, t'as super propre! Encore un autre et ça sera bon! J'invoque la 7! Belle, 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 belle. Ah, on peut avoir qu'un seul compagnon à la fois? Quelle arnaque! Je savais pas! Merde! Ah, ça, c'est un problème! Faut la réinvoquer. Du coup, j'ai zéro hype. Ah 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 ah. Ah. Je peux faire ton basketball là? Oui, ok, vas-y. Tabasse un truc. Ouh! Brilliant! Ah, c'est bon, je crois que je suis prêt. Merci beaucoup, Brief. Ah merde, il est mort. T'as pas fait exprès. Oh, ça fait même pas le bap. Quel dommage. Il meurt. Wouh. Bah, on va tout de suite retourner en arrière complètement. Quête, parce que même... Il reste un Float Hunter. Bon bah on pourra pas pouvoir finir la quête des fantômes tout de suite, tout de suite. Oula. Raté. C'était pas où, Jeff? Ouais, c'était là. Ibi! Alors tu veux essayer à nouveau? Ouais, absolument! Ibi! Je vais... Tu vas manquer. Brut. Au moins, c'était marrant. Ouais, c'était vraiment marrant. Faut pas trop s'exciter, là. Peut-être qu'il aura besoin d'un peu plus de ton... inspiration, je sais pas quoi. Ok, c'est parti. T'es prêt, Whitney? J'en attends beaucoup. Allez, tu peux le faire. J'étais pas prête à ça, honnêtement, je suis un peu mitigé. Écoute, je vais être sincère, moi, j'étais prêt à te faire le coup classique de te buter après avoir baisé. Wow. Mais tu t'es vraiment amélioré en tant que musicien et en si peu de temps aussi. Genre, comment t'as fait pour t'améliorer tant juste en regardant ce guignol taper sur sa batterie, sur son tambour un peu? Hey! Ça a l'air d'être un gâchis de talent de tuer ici maintenant. Je ne peux pas m'empêcher de penser à combien ta créativité pourrait fleurir.
Alors, tu devrais continuer à vivre. Tu devrais rester avec eux. Hein? Allez, va, avant que je change d'avis. Mais je croyais qu'on allait être bien ensemble. Et si on faisait une variante du coup classique de baiser et buter sans que tu me butes à la fin? Ouais, d'accord. Énorme. Allez, maintenant, dégage avant que ma soif de sang post-coitus ne prenne le dessus. Ouais, d'accord. Allez, on y va. Eh ben, je suis heureux de t'avoir à nouveau dans l'équipe. Les potes de tambour sont de retour. Ouais. Et Guy la Reine sera avec nous pour toujours. Ouais. Ah, ah. Je suis si heureux. Ah. Malheureusement, elle ne va pas du tout avec mon build. Ouais. Désolé, mais la sèche, ça reste le meilleur. Mais et surtout parce que la sèche, c'est un beat, c'est un rythme. Ça me bouffe pas une compétence. Compétence chère en plus. Donc désolé la Bibi, tu restes dans mon cœur, mais tu ne seras pas dans l'équipe. Ah, j'aime ce jeu. La Bibi. Il faudra du temps pour m'en mettre de celle-là. Oula, wow. C'était peut-être pas des fantômes la dernière fois, mais cette fois, c'est carrément des fantômes, hein. Et même si c'en était, on a déjà tabassé plein des fantômes. Qu'est-ce que ça change? Ta gueule! Oups! Qu'est-ce que vous avez encore fait? Encore? Ah, t'inquiète pas, je vais bien, je peux encore bouger. Ah! Aïe. Ok, cette fois je me suis cassé un truc, c'est sûr. Au moins il y a un hôpital à Hoho. C'est ce que Box m'a dit après le premier crash. Bah, tant que je suis là, je pourrais au moins sauvegarder votre partie, hein. Ouais. Ça va. Alors, tu vas te dire qu'on est débiles, mais. Bon, on a encore essayé les skates fusées. Ouais, on est des glandus de première classe, t'as pas besoin de nous le dire. C'est juste que ce bus est si lent et les skates vont si vite. Ce serait juste dommage de ne pas en tirer parti juste à cause d'un petit crash de rien du tout. Et puis ça n'est pas pour les essayer à nouveau, je pouvais le voir dans son visage. Et puis, on s'est encore éclaté à travers une vitre. J'imagine qu'on est destiné à rester dans ce bus jusqu'à la fin, hein. Malheureusement, j'ai tout perdu dans le deuxième crash, donc je peux pas vous restocker, là. Merde! Ah! Ah, je déconne. Oui, parce que je suis... Il me reste que 4 stocks, là. C'est limite. Ah, oh, oui. Et un gros dodo. Oh. Et du coup, ça répond à ma question parce que je me demandais. Parce qu'il y a un patch. C'est ça, c'est un patch qui augmente le pouvoir des compagnons actifs. Et on vient de voir que les compagnons, on peut en avoir qu'un seul actif à la peau de toute façon. Donc se faire un build là-dessus, c'est un peu. Après, ça dit que ça l'augmente significativement. On sait pas de combien. Chunk.
Ah non, c'est une légendaire, elle est déjà à fond. Oh, c'est pas mal ça. Elle inflige 22 à 30% et siphonne 10% de sa vie. Oh. Siphonne 20% de sa vie et nous met. Oh. C'est mieux que le Strong Tone. Parce que ça fait 32 à 42. Ah, il a des dégâts en plus selon le niveau de la bande. Ouais, mais. 32 à 42, là, 30 à 38, et ça vole de la vie. Sachant qu'il se fait des dégâts à lui-même. Moi, je dis rentable. Ah, il y a deux passages. Ah, ça nous a accès au 16e niveau. Ouais. On a toujours pas fait de. Il reste un truc à buter. Là! Là! Viens là! Je te défonce! Je vous déglingue! Wouh! Vous déglingue! Vous déglingue! Bah! Je vous déglingue! Violent! Je te suce ta vie! Délicieux. T'es bon cette fois? Ouais. Et ça continue, mais quel enfer! Quel enfer! Effectivement, on est au deck 16. Bah, retournons au bar, compléter la quête. Puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hey! Si vous avez votre progrès, votre ego, machin. Bah oui, bah c'est bon. Alors, vous avez réussi! Ah, je peux sentir les chaînes s'effacer. Enfin! Je dois vous avouer, j'étais plutôt sceptique au début. Non pas que je me doutais pas de vos capacités, mais ça semblait juste trop beau pour être vrai. En tout cas, vous avez bien montré que j'avais tort. Vous avez réussi, et je suis éternellement reconnaissant. Je suis sûr que mon ego vous ressemblerait aussi. Vous remercierez aussi s'il était capable de gratitude. Adieu! Si toutes ces âmes sont passées ici à cause de la manifestation de leur ego, comment ça se fait qu'on n'a pas encore vu ce Glamourelle-là? J'aimerais avoir la réponse. Ça va être le boss. L'ego de Glamourella, ça va être le boss tous les jours. Vous avez réussi! Oh, c'est merveilleux d'enfin se sentir libre de ce terrible ego qu'est le mien. Merci, merci beaucoup. C'était charmant de tous vous rencontrer. J'espère que vous vivrez de longues vies comme moi. Oui, De saluer ce beau bonhomme de neige pour moi, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Bref, j'ai mal traduit, c'est pas grave. Oh, quelle cette sensation, serais-je libre? Vous avez détruit mon ego, bien joué. Bon, eh bien, j'y vais. A plus. Ouais.
Vous avez vraiment bien déglingué la sale gueule de mon ego, hein? Ah, c'est génial! Surtout après avoir vu la tentative de la dernière personne à être venue ici. C'était ce chauffeur bonhomme de neige. Il faisait rien d'autre que faire des dropkicks et essayer de mettre des coups de boule à tous les esprits qui croisaient. Sauf qu'il leur passait à travers et il s'éclatait au sol. C'était marrant. Je riais tellement. Malheureusement, je crois que lui ne voyait pas trop l'humour. Ah, et merci pour avoir aidé, hein. Vous avez fait des progrès incroyables. Vous en avez fait tant pour nous. Merci beaucoup. Il reste juste... Allez, il est où ton ego? Je sais que tu peux m'entendre. Yann, c'est quoi ta stratégie, là? Continuer de l'agresser et de la faire chier jusqu'à ce qu'elle donne un avis? Oui! Allez, Clamo, c'est pour ton propre bien. Je veux dire, tu veux être sauvé, pas vrai? Pas vrai? Je suis sûr que tu sais où est ton ego. Toutes les âmes dans ce bar savaient exactement où trouver leurs égos, alors essaie pas de jouer à l'ignorance. Ça marchera pas avec nous. Je commence à perdre confiance en cette stratégie. Tu m'en diras tant. Bande de trous du cul sans cœur. Je ne vais pas abandonner aussi facilement. Ce voyage en bus va être bon, ma sœur. Va être long. Vous ne comprenez pas. Vous n'avez aucune idée dans quoi vous êtes en train de vous empêtrer. Mon ego est immensément puissant. Bien plus puissant que tous les autres égos que vous avez vaincus. Je le savais, c'est un boss. Je ne vous l'ai pas dit plus tôt, car j'avais peur. Je ne pouvais pas supporter l'idée d'un jeune groupe qui se tuerait en essayant de vaincre mon ego destructif. Mais après avoir vu ce que vous avez accompli sur ce bus, peut-être qu'il y a une chance. Si vous pensez vraiment pouvoir vous en prendre à mon ego. Oh là là, ça fait peur, je suis plus trop sûr. Vous pensez que c'est une bonne idée? Je veux dire... Si on se démente maintenant, quelle chance on a contre Apocalypse? Hey? Hein, quoi? Ouais, on y va, c'est parti! Hey, je suis impressionné! Je ne pourrais être plus d'accord. Et puis on a sauvé tous les autres, alors on va pas les laisser tomber, hein? Allez, ramène ton ego, le grand méchant ego! Vous pourrez la trouver au 13e niveau. Ouah! Il y a vraiment un 13e niveau, ça j'ai pas vu venir. Le 13e niveau? Mais vous avez dit qu'il n'y avait pas de 13e niveau, parce que c'est un hôtel et tout ça. En effet, Hubs connaît les dangers que pose ma manifestation. Il essayait simplement de vous garder en sécurité. Mes excuses les plus sincères. J'aurais aussi dû dire que c'est à cause de la manifestation de l'ego de Glamourella que nous avions décidé de verrouiller l'ascenseur. Elle est dangereuse à ce point. Oh, et bon, c'est toujours plus flippant, hein? Je détiens la carte clé pour le 13e niveau. Tenez. Je vous souhaite le meilleur. Pitié, faites que ce ne soit pas la dernière fois que je vous verrai. Ok. On va sauvegarder, hein? Et on fera ça au prochain épisode, hein? Hein? N'est-ce pas? Bon. Au prochain épisode, double boss donc, vu qu'on va aller se taper l'ego de Glamourella, et ensuite, on ira finir de gravir ce bus infernal. Sur ce, je vous dis au revoir à tous, et à la prochaine.
Est-ce qu'il y a une sauvegarde au 13e niveau? C'est une sauvegarde auto, on s'arrêtera là. On s'arrêtera là de toute façon. Ouais, sauvegarde auto. Eh bien... Je sortirai de cet ascenseur au prochain épisode. À la prochaine.